Matthieu 19. Yani Matayo 19. Matthieu 19. Matayo 19. Nous allons commencer au verset 3. Taanza kwa jusqu'au 10. Mais on sera très rapide. Hadi kumi, tutaenda haraka. On va lire en swahili seulement, le français c'est après. Tasoma katika kiswahili, kifransa ni baadaye. Ok. Matayo sura yake ya 19, 3 à 10. Quickly. Yeah. Basi wafarisayo wakakuja kwake wakimjaribu wakisema, ni halali mtu kuondosha mke wake kwa kila neno? Akajibu akasema, hamkusoma ya kuwa yeye ambaye aliwafanya toka mwanzo aliwafanya mme na mke? Na alisema, kwa sababu hii mme ataacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mke wake. Amen. Nao wawili watakuwa mwili moja. Hata wamekuwa si wawili tena, lakini mwili moja. Basi ambao aliwaunganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Amen. Wakamwambia, kwa nini basi Musa aliamuru kuandika barua ya kuondosha na kumuacha? Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ninyi ruhusa kuondosha wake wenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Ni nawaambia ninyi, kila mtu ambaye ataondosha mke wake ila kwa sababu ya uasherati na kuoa mwingine anazini. Naye ambaye anamuoa yeye aliyeachwa anazini. Wanafunzi wakamwambia, kama mambo ya mume na mke wake yakiwa hivi, haifai kuoa. Bwana ubariki neno lako. Ndio, ndio. Na ubariki watu wako. Kabisa. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Alors, je vais vous poser une question avant de continuer avec ma prédication. Si vous allez trouver que vous avez moins de 50%, vous avez un foyer difficile. Je vais vous poser 10 questions. Pour chaque question, mettez 10 points. Parce que c'est le commencement de ma prédication. Et la plupart des prédicateurs, nous négligeons même la science alors que nous n'avons rien aussi. La science a prévu un examen de 10 questions. Quand vous avez moins de 50% sur cet examen, votre foyer est en difficulté. Vie familiale. Maisha ya ndoa. Docteur Isidro Aguilar. Daktari Izidia. Édition Safelis. Édition Safaris. Page 361. Ukurasa 361. Édition 2012. J'y vais lentement. Nitaenda pole pole. Je te pose 10 questions. Nitakuuliza maswali. Si c'est oui, tu fais ça. Si tu gagnes, tu te mets ça. Unapo, tu fais ton doigt comme ça. Unapo, ona umeweza, weka kidole moja. Et si tu as peur que les voisins ne te regardent, tu vas compter silencieusement dans ton cœur, sans montrer que tu comptes en silence. Ukihofia kwamba mwenzako asikuone, nenda basi ukihesabu kimoyo moyo. Si tu verras moins de 50 points, ukipata chini ya makumi tano alama, va chercher le médecin docteur Jésus. Wende tafuta daktari mganga aitwa Yesu. Ton foyer est dans les soins intensifs. Kwamba unyumba wako uko mahututini. Page 361. Ukurasa 361. Je vais vous poser cet examen parce qu'il est important pour moi de continuer après l'avoir fait aux gens. Nitawaletea mtihani huyu maana ni wajibu wangu kuendelea na nimewaletea haya. Oh, il dit ceci. Inasema hivi. Notez chacune de vos réponses de 0 à 10. Weka kila moja jibu tangia 0 hadi 10. Il dit ceci. Yasema hivi. Si vous avez obtenu 90 à 100.
Ikiwa umepata makumi kenda au mia, votre couple doit être un authentique paradis sur terre. Ndoa yako itakuwa paradiso ya kweli duniani. Celui qui obtiendra 90, atakayepata makumi kenda, il vit le bonheur. Anaishi raha. Mais il dit ceci. Anasema hivi. De 70 à 80, kwa makumi saba hadi makumi nane, vous devez améliorer votre attitude par rapport à votre propre couple. Munapaswa badilisha hali yenu sawa sawa na Josilenu. Dites à votre conjoint de faire les tests et commenter les résultats. Ambia mwenzako afanye uchunguzi na afanye achambue matokeo. Mes frères qui étaient là-bas, wandugu waliokuwa hapo, je vous donne une minute de jeter un coup d'œil sur ce cercle. Dites-le, na wanze sabia kule ngambo. Commencez à lui dire avec un coup d'œil. Sabia na wewe kule. Je vais compter ici, mais toi aussi tu dois compter. Les soeurs là-bas, dites à ces frères là-bas, commence à compter là-bas. Na wewe dada, chungulia kule. Mukonye jicho na kumwambia na wewe anza ukahesabu. 60 à 70. Eti, makumi sita hadi makumi saba. Votre couple peut avoir des problèmes. Ndoa yenu ya weza kuwa na mashida. Moins de 50 points. Chini ya alama makumi tano. Votre couple a besoin d'aide. Ndoa yenu inahitaji msaada. Est-ce qu'on est prêt pour l'examen? Je tuko tayari kwa mtihani. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent à ligne aussi, qui prennent les papiers ou les stylos là où ils sont. Najua kwamba kuna watu wenye kutufuata kwa mtandao nao washike kalamu na karatasi. Si tu n'as pas où écrire, commence à calculer. Ikiwa hauna pa kuandika, anza hesabia. Et il y a des moments où les jeunes pensent que ces affaires regardent seulement les couples. Vous allez vous marier demain les enfants. Sasa kuna wengine wanawaza kwamba habari hii inahusu wanaoa na kuolewa. N'allez pas être une mauvaise femme qui a été élevée dans une église qui a parlé du couple et du mariage. Faites attention. Usiende kuwa mke mbaya kwa mwenzako na ulishiriki ibada ambayo mashauri yanatolewa. Fanya kazi. Quand nous prêchons ça, c'est pour vous aider demain d'être de bons maris. Vous qui n'êtes pas mariés. Tunapohubiri haya ni kuwasaidia ninyi vijana na mabinti ambao bado hamjaolewa na kuoana. Vous qui êtes mariés. Na ninyi ambao mmekwishaoa na kuolewa. Ce n'est pas tard, on peut améliorer. Ce n'est pas tard, on peut améliorer. Hayachelewa waweza kabadilisha. Première question. Ulizo la kwanza. Vous sentez-vous porté, satisfaire les besoins et les désirs de votre époux ou de votre épouse au point de sacrifier les vôtres pour la satisfaire? Sorry. Première question. Ulizo la kwanza. Est-ce qu'il t'arrive de sentir que tu dois faire tout pour satisfaire les besoins de ta femme ou bien de ton époux, jusqu'à ce que des fois tu te prives de faire tes propres choses pour son intérêt? Je, il me kufikia wewe mume au muke kusikia kwamba wawajibika na kutosheleza mwenzako hadi hapo ufike kuangusha vyako chini ili ushughulikie mwenzako. Usinijibie. Compte chez toi. Hesabia ya kwako. Si oui, kama ndio, weka alama 10. Si tu dis afanye bien que namenda afanye bien, qu'il fasse ses affaires, je ferai mes affaires, je m'en fous. Si tu dis bon, là on va se débrouiller chacun, tu as déjà moins. Deuxième question. Ulizo la pili. Vous sentez-vous bien en compagnie de votre conjoint, de son amitié et de sa façon d'être? Je, unajisikiaka vizuri wakati unapokuwa mkono mkononi na mwenzako. Na unasikiaka unafurahia hali yake vile iko, unasikiaka uko na fierté na uko na bwana? Ndio au kuna bibi? La question dit ceci. Ulizo la est-ce que toi quand tu es avec lui, wewe unapokuwa na mwenzako, tu te sens vraiment fier d'avoir un mari, tu te sens fier d'avoir une femme? Unasikiaka unafurahia mume wako au mke wako? Et son être, sa façon dont il est, ça te réjouit ou pas? Hali aliyomo ndani inakufurahisha au la? Ou bien tu regrettes toujours pourquoi tu l'as? Au inakufikiaka kujuta kwa nini uko pamoja naye? Mais lorsque tu es avec elle, tu te sens mal à l'aise. Tu es content quand tu n'es pas avec elle, mais quand elle est là, tu te sens mal à l'aise. Na wakati unakuwa pamoja naye, haujihisi vizuri, unasikia raha wakati hauko pamoja naye. On est à 20, hein? Poteza tu. Ok. Wala uzipate. Ndio. Avez-vous des objectifs et des intérêts communs avec votre époux? Je, unazo shaba na mipango. Na mipangilio mimoja pamoja na mume na mke wako. En d'autres termes, vous posez la question de savoir, kwa maneno mengine, est-ce que dans votre maison, je, nyumbani mwenu, vous faites les mêmes choses, les mêmes objectifs, ou bien vous vivez dans un foyer où chacun fait ses affaires sans se soucier des affaires de l'autre? Munafanya mambo kwa upa, kwa kupatana, au kila moja anafanya vile anavyotaka bila kusisimua. En d'autres termes, est-ce que vous achetez des choses après vous êtes convenu, ou bien chacun achète ce qu'il veut sans que l'autre ne le contrôle? Kwa maneno mengine, pose la question. Inasema, inaulizwa hivi.
unaponunua vitu nyumbani, je, mnakuwa umepatana na mwenzako au kila mtu anafanya vyake kufuatana gisa anajisikia? Chacun a ses objectifs. Kila mtu ana shabaha zake. Quand vous prêtez même de l'argent, vous vous fumez, disiez, pesa ngapi mko na ngai? Na wakati mnapeana pesa, mnaanza kugombana mkisema, nilipe pesa zangu. Tia pale 10 wala 0. Ehe. Wewe unajijua wewe mwenyewe? Ndio ndio. Bana hii bino te. Mimi siwajui. 4. Ine. Respectez-vous. Je. Mheshimiane. Je. Respectez-vous et admirez-vous votre époux, votre épouse en dépit de ses besoins et de ses faiblesses. Eti unamfurahiaka. Na kumheshimu. Est-ce que tu admires? Je. Unafurahiaka ton époux. Mume wako. Malgré ses faiblesses et ses failles, mais tu sais que tu l'admires toujours. Ingawa ou bien tu le prends comme quelqu'un de second. Na mazaifu. Bali wewe unamwona kuwa mtu wa. Est-ce que tu l'admires? Je, unamfurahiaka. Quand ta femme passe, tu dis, niko na mwanamke quand même. Bibi yako anapopita karibu yako. Ou bien tu te gratte dans la tête et tu dis, lwenye nilishaka kuwa kapa mwingi. Est-ce que quand ton mari passe? Je, mume wako anapopita. Est-ce que tu l'admires? Unamfurahiaka. Quand il passe dans la maison. Anapopita nyumbani. Quand même j'ai un époux. Unasikiaka ndani yako kusema kweli Mungu alinipa mume. Si on appelle les gens qui se sont bien mariés, je peux aussi me présenter parmi les autres femmes. Kama kuna wenye waliolewa vizuri, mimi mke naweza onekana miongoni mwa wake wema. Ubie tidi ba. Au unasema. Ni mikoshi tu tulipata mwa nyumba. Ni bala. Ele budi nipe sa. Yeso. Sabuni. Kamata, kamata. Est-ce que tu l'admires? Je, unamfurahiaka. 5. Tano. Vous sentez-vous attiré au point de vue physique d'elle ou de lui de telle façon que vous aimez la fréquenter et l'étreindre? Yes, oui. Amen, amen. Et l'étreindre. Amen. Et vous sentez que son amour vous suffit? Je, kwa hali ya mwili, unapomtazama na unabakia naye. Unasikiaka kabisa mapenzi yake unaifurahia. Na unapomkaribia unamterekenya. Unasikiaka kama na wewe uko na mtu wako. Ndio ndio. Question. Ulizo hilo. Ou bien vous vous passez dans des chambres? Au mnapitana kako. Quand il fait tes toucher quoi. Anapotaka kugusa na wewe, aniache wewe. Et mais vous vivez ensemble à la maison. Et vous venez à l'hôpital chez Pasteur Patrick, il vous prêche, vous rentrez. Je suis sœur en Christ. Je suis sœur en Christ. Dix ou cinq. C'est zéro ou dix. Ne mettez pas cinq. Alléluia. Amen. Six. Sita. Désirez-vous ungependa avoir des enfants muwe na watoto et qui auront son caractère physique, moral et son caractère watakao kuwa na tabia zenu za mwili spirituel na za kiroho? Est-ce que weye tu sens que tu aimerais avoir des enfants qui seront comme ton mari? Unasikiaka kwamba ungependa uwe na watoto watakao kuwa sawa mume wako? Eh mama. Est-ce que papa? Nawe baba. Tu aimerais avoir des filles qui seront comme leur mère? Ungependa uzae binti watakao fanana mama yao kwa tabia. Elle ressemblance physique et le comportement. Wafanane na kimwili na kitabia. Si là où tu es assis. Kama kwenye unaikala. Yes entre de siezi penda nizale watoto wa sasa bwana yangu. Yesu Kristo. Kulisha pitwa zamani. Mungu baba. Kama kwenye unaikala kuna sema Mungu Mungu unihurumie nisizalake bigarso bya sasa bwana yangu. Yesu. Kulisha pitwa. Amen amen. Hallelujah. Amen. Donc si là où tu es assis. Kama kwenye unaikala. Tu es en train de prier le Seigneur pour ne pas avoir des enfants qui auront le caractère de ton conjoint. Uko na omba Mungu kwamba sikupatie watoto wa tabia ya bwana yako. Mais zéro. Weka sufuri. Mais si tu es en train de dire, oh Dieu, donnez-moi des garçons comme mon époux. Donnez-moi des filles comme mon époux. Mettez 10. Weka 10 pale. Batu balisha shindwa huku nje. Manake manake huku nje kunisha isha. Donc vinaharibika. Kweli kabisa. Tungali kungapi? Mungu wetu saidie. Yesu Kristo.
Mungu nisaidie nisizalake watoto wa kufanana hiki cha naume. Mungu baba, ema. Kinanishinda nikizala hapa manake sasa ndakufa na tension. Zero. Sufuri. Huyu mwanamke, mwanamke. Sasa muziki yake baki mfanana mara nakufia mwi nyumba. Zero. Sufuri. Chris zero. Andika sufuri. Wache kuona tudangaye. Hajasema Maria. Maria. Ah, nishakaolewa, nishakaoa. Set. Saba. Possedez-vous une foi iman? Je, munayo imani? Et une spiritualité. Na kiroho. Capable d'influencer positivement votre conjoint. Iwezayo shawishi kwa hali nzuri mwenzako. Toi, la dame. Wewe mke. Toi, monsieur. Na wewe bwana. D'après que tu te connais. Namna unavyojijua. Est-ce que tu sais que tu es très spirituel? Unajisikia kwamba uko wa kiroho. Que tu peux influencer le comportement de ta femme et changer. Waweza shawishi tabia za mwenzako kubadilika. Ou bien alors, ah, bah, si. Tu sais que ton comportement ne peut plus rien faire au niveau où vous êtes, tu ne peux pas l'influencer parce que soit tu ne vas pas ou bien il ne va pas. Unaona kwamba mwenendo wako haiwezi saidia mwenzako kubadilika na kwa hiyo mambo hayaendeki vizuri. 8. Nane. Possedez-vous un sens de stabilité. Munao utulivu mwema. Et de fidélité. Na uaminifu. À son égard. Mbele yake. De sorte que kiwango. Les autres hommes ou les femmes ne vous semblent pas aussi attrayants. Sorry. De sorte que les autres hommes ou les autres femmes ne semblent pas attrayants. Kiwango wanaume na wanawake wengine habakuvutia. Aha. Est-ce que Jay, toi wewe, tu sens que tu es fidèle à son gars? Unasikia kwamba uko mwaminifu kwake. Tu sais que tu es fidèle envers elle ou envers lui. Unasikia kwamba uko mwaminifu kwa bwana yako. De sorte qu'il ne t'arrive pas de convoiter d'avoir un autre homme ou bien d'avoir une autre femme autre que lui ou elle. Kiwango mume anasikia kwamba hana haja ya kuwa na mke mwingine au mke asikia hatamanie kuolewa na mume mwingine. Pumbe weye. Wewe na ule mtu wako. Ndio ndio. Unasiaka na kutosheleza huna besoin. Hauyasikia mwe ningelioa mwingine, ningekuwa na mwingine kuliko huyu. Uh-huh. Wala unasikiaka ataba na mke bakupiteko, ataba babwana bakupiteko, unasikiaka tu ule wako njo aye tu. Amen. Na utasema okay. Mwe huyu kuliko bwana yangu. Uh-huh. Haleluya. Amina. 0 ou 10. 0 au 10. Alama. Oh, ni science. Hakuna bachungaji bako wanapigwa na hivi. Ndiyo, 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 ndiyo. Hakuna bahubiri bako wanatuangwa na hivi. Ndiyo, wazi wazi. Usikritike benye hauya weza na haujo. Amen. Inasaidia banadamu. Ndiyo. Hivi sasa, quelque qui est là dans le foyer. Mwenye iko mbunyumba. Ki convoite d'autres femmes. Anatamani yaka wanawake wengine. Ila zero deja isi. Amepata sufuri hapa. Alors qu'il s'appelle croyant dans l'église. Nanajitaka muamini kanisani. Une femme qui convoite notre monsieur atamanie mume mwingine sans aimer son époux bila kupenda mume wake pourrait avoir zéro angeweza pata sufuri on est à 9 tunafika kwenye 9 9 kenda sentez-vous un désir graduellement croissant d'être avec lui ou elle je unasikia kahaja ikienda ikipanda kupenda mume wako au mke wako usikie unataka kubakiana naye. Est-ce qu'il t'arrive de sentir que son absence te dérange? Sikia kwamba kukosekana yake karibu yako inakusumbua. Quand il est en voyage, wakati alisafiri, quand il est en voyage, anapokuwa safari mke, quand il a retardé de rentrer, wakati amechelewa kufika, quand il a retardé d'arriver à la maison, wakati amechelewa kufika. Est-ce qu'il t'arrive de dire mon mari me manque? Je, inakufikiaka kusema nakosewa na mume wangu. Mon épouse n'est pas ici. Mke wangu hayuko hapa. Elle est où? Yupi? Ou bien qu'elle soit là ou pas pour toi, c'est zéro. Bali kwako awe asiwe haikusumbui. À quoi vaut sa présence ou son absence? Kuwa yake na kutokuwa kwako si kitu. Mais 0 ou 10. Weka sufuri au 10. 10. 10. Valorisez-vous ces réussites et vous en réjouissez-vous sincèrement. Bien. Ukiona na uweza. Na ukiona nafanya vitu. Unakuwaka na vipatia valer na kumufelicite na kusikia unafurahia kwamba wako na iko nafanya vitu vya grave. Ndio. Wala. Na uweze na ashindwe na afanye vya bie kwako unaona kai iko sawa bon afanya.
Quand ton époux te dit, j'ai trouvé un peu d'argent aujourd'hui, vraiment je suis content. Pourquoi tu trouves que tu peux? Wakati bwanako anafika nyumbani na kukwambia, leo nilipata pesa ndogo na ndizo hizi, lakini wewe unajishimu, na upate, na usipate. Est-ce qu'il t'arrive de le vanter ou de la vanter? Inakufikiaka kumusifu wakati. De dire chérie félicitations. Nakumwambia mpenzi hongera. J'ai marié intelligent. Et nina mume wa akili. Très bien madame. Asante mpenzi. J'ai une bonne femme. Nina mke mwema. Bon. Sasa. Totalisé. Je te fais deux minutes. Kwa hiyo hesabu sasa unapewa dakika 10, dakika 2. Si tu n'as pas 90, ukiwa hauna makumi kenda, cherchez l'hôpital de Jésus. Tafutisha hôpital ya Yesu. Il y a des causes qui sont cachées dedans. Kunazo sababu zinazofichama mule ndani. Alléluia. Mina. Et n'oubliez pas. Na msisahau. La plupart des gens se sont mariés sans raison de se marier. Watu wengi walioa bila kuwa na sababu za kuoa. Docteur Melgoza dit ceci. Daktari, il y a sept causes qui poussent les gens à se marier, même dans nos églises ici. Ya kwamba kunazo sababu saba zinazosukuma watu kuoa au kuolewa. Mais parmi les sept, il n'y a qu'une seule qui est bonne. Lakini miongoni mwa zile saba kuna moja ambayo ni nzuri. Il y a ceux qui se marient pour se révolter. Kuna wanaooa kwa kuinuka. Pour dire je sors de chez nous, je cherche un autre mari. Kwa kusema je pars me marier. Gwani owe ni kwe kwangu. Il y a ceux qui se marient par attrait physique. Kuna wanaooa kwa kuvutiwa kimwili. Il y a ceux qui se marient parce qu'ils n'ont pas quoi faire. Kuna wanaooa sababu hawana la kufanya. Il y a ceux qui marient parce qu'il a pitié de l'autre. Je la marie parce que je ne sais pas où elle va être. Bon, je la prends comme ça. Kuna wanaooa kusema anahurumia binti kwa kusema nisipomwoa basi atakuwa nani. Il y a ceux qui se marient parce qu'ils veulent avoir l'argent. Kuna wanaooa sababu wanataka wawe na pesa. Il y a ceux qui se marient parce qu'ils veulent fuir certaines situations. Kuna wanaooa au kuolewa sababu kuna hali wanataka wakimbia. Il y a ceux qui se marient parce qu'ils veulent avoir quelqu'un avec qui on va collaborer pour aller au ciel. Na, et c'est ça la vraie raison pour laquelle on devrait se marier. Kuna yule anayeoa mtu ili wasiliane na wasaidiane ili siku moja wafikake mbinguni. Ne pas pour te marier parce que tu as une autre cause. Usioe sababu unazo sababu zingine. Parce que ces causes vont vous plonger dans les problèmes. Sababu zile sababu zitakuingiza katika shida. N'oubliez pas. Na msisahau. Vous vous mariez, chacun vit avec son caractère. Wakati mnaoana kila moja anakuyaka na tabia zake. Je donne une remarque très solennelle. Natoa tahadhari ya hadharani. Vous venez avec trois valises. Unakuja na sanduku tatu. Je vais vous justifier ça par les écritures. Nitaziwaonyesha kupitia maandiko. Et je vais vous le montrer même par les messages, même par la science. Na nitaziwaonyesha kupitia ujumbe na sayansi pia. Chaque mari ici, Clovis vient ici avec trois valises. Clovis, il y a trois valises. Kila mume hapa, hata ndugu yetu Clovis hapa amekuja na sanduku zake tatu. Ana a trois valises. Ana anazo vibweta vyake. Vous allez les mettre ensemble dans la maison. Kwa hiyo mtavikusanya pamoja. Première valise. Sanduku ya kwanza. La première valise c'est quoi? Sanduku ya kwanza c'est le caractère que toute personne peut tolérer. Zile tabia ambazo kila mtu anaweza kuvumilia. Deuxième valise. Sanduku ya pili. C'est ce que l'autre peut supporter. Ni yenye mwingine anaweza kuvumilia. Lakini avec un peu des efforts. Kwa kujitahidi. Mais troisième valise. Lakini hii sanduku ya tatu. Ce sont les défauts que l'autre ne peut pas supporter. Ni makosa ambayo mwenzi wako haweza kuvumilia. Chacun a ses trois choses. Kila mtu anayo mambo matatu. Nos amis ici chacun en a. Marafiki wetu hawa kila mmoja anazo. Moi je me suis marié, j'en avais. Mimi nilipooa nilikuwa kanazo. Tu viens avec des choses que l'autre peut comprendre. Unakuja na mambo ambayo mwenzako anaweza kaelewa. Tu viens avec certaines choses que l'autre peut tolérer facilement. Unakuja na mambo ambayo mwenzako anaweza kuvumilia. Mais tu viens avec des défauts qui sont insupportables. Na kuna makosa mengine unakuja nayo mwenzako anaweza kuvumilia. Si vous voulez avoir un beau foyer. Sasa mkitaka kuwa na ndoa nzuri. Vous devez être prêt de déposer les choses que l'autre vous dit qu'il ne veut pas. Munapaswa kuwa tayari kuweka chini yale mwenzako anakuambia kwamba hataki. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans les couples. Ikiwa leo mna shida nyingi katika ndoa zenu. C'est parce que certaines personnes veulent rester telles qu'elles sont. Ni kwa sababu watu wa moja wanataki wabaki tu vile walivyo. Le mari te dit madame ça je ne veux pas. Bwanako anakuambia bibi yangu haya sitaki. Pas de changement. Hakuna mabadiliko. La femme te dit chérie. Bibi na je peux supporter toutes les autres caprices, mais pas ça. Naweza vumilia mazaifu mengine, lakini hii apana. Et toi, tu dis, tu parles comme qui? Na unamjibia,
unasema na mie sawa nani? Vous devez être prêt de céder certaines choses. Unapaswa kuwa tayari kuangusha mambo fulani. Parce que la Bible dit quoi? Sababu Biblia inasema nini? Proverbe 12:4. Mezali 12:4. Une femme vertueuse. Mwanamke mwema. Est la couronne de son mari. Ni taji kwa mume wake. Mais celle qui fait honte. Bali yule aletaye haya. Est comme la caride dans les os. Ni kama vile kansa ya mumifupa. Alléluia. Amina. Une femme qui fait honte, c'est comme une maladie qui est dans les os. Tu ne te sépareras de ça qu'en allant dans les cercueils. Mwanamke mwenye kuleta haya ni kama vile cancer kidonda ndugu ni hadi unapozikwa. Donc un mari peut te marier avec un caractère qui sera comme du cancer dans le foyer. Kwamba mume anaweza kukua wewe dada unakuwa kama vile cancer maishani mwake. Tu peux marier une femme et tu l'amènes, c'est comme si tu as amené une maladie dans ta maison. Unao mke inakuwa kama vile ulienda nunua magonjwa kuyaleta nyumbani mwako. Ça va te hanter jusqu'à ton cercueil. Itakusumbua mpaka mkaburi. Alors que toi quand tu la voyais, wakati ulipoona, j'ai trouvé une femme. Uliona kuwa unapata mke. Dans elle il y a une carie. Kumbe ndani yake muna ugonjwa. Elle t'amène dans la maison. Anayekuletea nyumbani. Elle doit être disposée à dire. Anapaswa kuwa tayari kusema. Dites-moi ce que tu n'aimes pas. Nijulishe yale usiyopenda. Je suis prêt à changer. Niko tayari kubadilisha. L'époux aussi est disponible de dire. Mume nawe awe tayari kusema. Dites-moi ce qui ne va pas. Mke wangu niambie isiyoendeka. Vous déchargez la valise. Munapakua sanduku yenu. Vous gardez les meilleures choses que l'autre va aimer. Munachunga vizuri vyenye mwenzako atapenda. Parce que la Bible dit quoi? Sababu Biblia inasema. La Bible dit ceci. Biblia sema hivi. Il ne faut pas oublier. La Bible dit ceci. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Anaelekea muzima. Ule mtu anaelekea muzima. Manake ukishapata mtu mwenye ukikataza vitu anaviacha. Ndio ndio. Ule mtu anakutetea uzima. Amen amen. Me, mwenye anasahau bya yuna mkosola kako. Uh-huh. Mko mnaenda potea naye. Ndio ndio. Amen. Combien d'hommes viennent prendre la femme, ils sont orgueilleux et ne changent jamais de l'orgueil. Combien d'hommes sont orgueilleux, même après mariage, ne changeront jamais. Wa ume wangapi wa na kiburi hata nyuma ya kuoa hawabadilikaki. Là c'était dans Proverbe 10:17. Proverbe 15:31 dit ceci. Mezali 15 inasema. L'oreille attentive aux réprimandes. Sikio linalosikia hamaka. Qui mène à la vie. Ile ielekeazo kwenye uzima. Son séjour est au milieu des sages. Eti siku zake ni katika mikono ya wenye hekima. Masikio yanayosikia maonyo. Ndio. Masikio yanayosikia maonyo. Amen. Huyu mtu atabakia katika watu wenye haki. Amen. Wenye hekima. Hekima. Ndio. Celui qui rejette la correction. Anayekata masahihisho. Méprise son âme. Ana zarau nafsi yake. Mais lakini, celui qui écoute la réprimande anayesikia maonyo acquiert l'intelligence. Anapata busara. Je vais vous donner même un examen. Ngoja niwape mtihani. Toutes ces filles qui sont là-bas en haut. Wabinti wote wanaokuwa huko juu. Tous ces garçons qui sont ici. Vijana wote walio hapa. Vous les parents. Ninyi wazazi. Un simple examen suffit. Mtihani mdogo watosha. Si tu as une fille qui n'accepte pas la correction chez vous à la maison. Ukiwa na binti asiyekubali maonyo nyumbani. Même quand elle sera mariée, c'est comme ça qu'elle traitera son époux. Na wakati ataolewa ni hivyo ataishi na mumewe. Si vous avez un garçon. Ukiwa na kijana. À qui vous dites des choses mais qui ne capte rien. Unaye pakiza ndani mambo lakini hashiki kitu. Souviens-toi ta belle fille aura des dangers. Kumbuka mukazana wako atakuwa hatarini. Parce que s'il ne t'écoute pas alors que tu es papa et mama, tu crois qu'il écoutera la fille qui est née ailleurs? Wakati hakusikia uko baba yake na mama yake, atasikiaka musika wa batu eh? C'est pourquoi les jeunes de cette église. Ndio maana vijana wa kanisa hili. Vous devez commencer à prendre
être corrigé quand vous êtes chez vous. Jifunzeni kusahihishwa wakati mungaliki kwenu. Soyez habitué à écouter quand on vous dit ça c'est mauvais, vous changez. Muzoee kusikia wakati mnapoambiwa hiki ni kibaya na mwache. Parce que personne ne se connaît, c'est l'autre qui peut vous connaître mieux. Hakuna mwenye anajijuaka, ni mwenye kuwa pembeni ndio anakujua. Et personne ne peut souhaiter vivre avec quelqu'un qui ne veut pas changer. Na hakuna anayeweza penda aishi na mtu mwenye hapendi badilika. Tu sais pourquoi? Wajua ni kwa nini? C'est la raison pour laquelle la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema nini? C'est pourquoi la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema. Que lorsque vous vous mariez. Ya kwamba mnapooana. Avec une femme. Na mwanamke. Querelleuse. Wa magomvi. Ce serait mieux que vous alliez vivre dans le désert. Ingekuwa heri uende ishi jangwani. Comment on doit comparer un foyer à un désert? Namna gani unyumba utalinganishwa na jangwa? Que vaut mieux vivre dans le désert que de rester avec une femme querelleuse. Eti heri uishi mujangwa kulishi kuliko kuishi na mke mgomvi. Donc tu peux marier un désert sans le savoir. Kwamba unaweza oa jangwa bila kujua. Tu laves cette une femme? Wewe ulimuona kuwa mke? Tu amènes le désert dans la maison. Kumbe unaleta jangwa kwako. Tu as vu cette une elle examen tu as eu combien? Na kwa ile mtihani ulitolewa ulipata ngapi? 9? Je, kenda? No, 9? Makumi kenda? Hey. Si tinapai 90. Ikiwa hukupata makumi kenda. Va au genou. Wende kumagoti. Progressivement tu vas perdre ton foyer dans les blagues. Pole pole utapoteza unyumba wako mumuzaha. On nous a parlé de la proximité physique. Tuliambiwa kuhusu kujongeana ya kimwili. Vous sentez que la présence de votre conjoint est une bénédiction. Unasikia kwamba uwepo kuwa ya mume ya mwenzako ni baraka. Na toi à cause de tes troubles, il ne fait même pas la joie de te voir. Lakini wewe sababu unamuvuruga kuwa yako haimfurahishi. Dans les trois valises que tu as apportées. Mwazile sanduku tatu lilitaka. Donc les comportements supportables, insupportables. Tabia za kuvumiliwa na zisizoweza vumilika. Et le comportement ordinaire. Na tabia za kawaida. Tu n'as jamais accepté de lâcher certaines mauvaises kuangusha tabia fulani. Tu gardes toujours tel contact. Wewe unabakia tu vile ulitokaka kwenu. Alors le pou commence à dire. Na unaanza sema. Si je savais, je n'allais pas la marier. Ningelijua singelimuoa au singemuitika. Et des fois il dit. Na mara anasema. Et pourquoi l'église ne le change pas? Na kwa nini kanisa halimubadilishi? Que le Seigneur vous aide. Mungu awasaidie. Prions tous ensemble. Tuombe sote pamoja. Nous allons appeler nos jeunes garçons. Notre jeune garçon, notre jeune fille. Kijana na binti wetu. Nous les bénirons et nous rentrons. Tutawabariki na watarudi. Je viens de prêcher 1h30. Nimehubiri saa moja na nusu. Vous me pardonnerez si j'ai dépassé le temps. Mutanisamehe ikiwa nilivusha muda. Mais. Lakini. Prions pour que nous vivions au moins ce que nous prêchons. Tuombe tufikie kuishi yale tunayoyahubiri. Seko nous prêche soit le vécu aussi. Na yeye tunahubiriwa tuyaweke mu matendo. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Éternel notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Je bénis ton nom. Nabariki jina lako. J'amène ce couple entre tes. Naleta jozi hili mikononi mwako. Ceux qui sont mariés il y a des années. Wenye walioanaka kunaisha miaka. Ceux qui se marient aujourd'hui. Wenye wanaoana leo. Je les amène vers toi. Na wakuletea Mungu. Toi qui connais là où il y a des failles. Wewe ujuaye kwenye madhaifu. Que tu y travailles pour leur bonheur. Upatumike ili wapeane raha. J'ai des jeunes filles. Hapa nina mabinti. J'ai des jeunes garçons. Hapa kuna vijana. Ils vont se marier aussi dans le futur. Watakao oana msiku za usoni. Apprends-le comment être. Wafunze namna ya kuwa. Apprends à chacun de nous. Fundisha kila moja wetu. Donnez-leur la capacité de se préparer à être de bons maris. Wapatie ile uwezekano kujiandaa kuwa waume wazuri. Une fois qu'ils s'engageront dans le foyer. Ili watakapo jitia katika mambo ya unyumba. Ils soient le bonheur de ceux qui se marieront avec eux. Wawe raha kwa wale watakao wana nao. Toutes les paroles que nous prononcerons sur ces jeunes. Maneno yote tutakatamkia watu hawa. Que ça les suive dans la vie. Ya wafuate maishani. Afin qu'ils soient bénis. Ili wabarikiwe. Tout ce qui est du diable. Yote yaliyo ya muovu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Sois vaincu. Yashindwe. Tout comportement d'une femme.
kila mwenendo wa mwanamke ou d'un homme au ya mwanaume va aller occasionner le divorce yatakayo kuwa chanzo cha talaka les prisons au nom de Jésus toyavunja kwa jina la Yesu Kristo que chacun de reçoive la capacité de plaire l'autre ruhusu kila moja awe na uwezo wa kufurahisha mwenziwe la stabilité de leur couple utulivu wa ndoa yao au nom de Jésus Christ kwa jina la Yesu Kristo notre sauveur bwana wetu mwokozi amen amen une chanson de chorale wimbo moja wa kwaya pendant que nous préparons la bénédiction wakati